Comme chaque 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée aujourd'hui à travers le monde. En attendant de revenir sur la commémoration officielle au Burkina, intéressons-nous à la caravane qui sillonne plusieurs localités du monde. En route pour Nouna, les caravaniers ont fait deux escales à Safané et Dédougou pour encourager les jeunes à barrer la route au VIH-Sida. Nongba Kouda, Estelle Judith Assogba. Safané et Dédougou, l'avant-dernière étape pour les caravaniers en route pour Nouna. C'est une jeunesse mobilisée qui prend l'engagement devant les autorités et parents pour dire stop au VIH-Sida et aux grossesses indésirées. Pour réussir ce combat, ces jeunes seront appuyés par toutes les composantes de la lutte, en commençant par les notabilités coutumières. Je vais informer, donner l'information à mes chefs de quartier, au niveau des villages, pour que chacun, en tout cas, se mette debout pour lutter contre ce fléau. Le taux de séroprévalence du VIH-Sida dans la boucle du Moun est passé de 2,3% à 0,6% selon l'enquête démographique réalisée de 2003 à 2010. Des résultats encourageants, certes, mais ils n'ont surtout pas baissé la garde. Au-delà des succès, il y a une inquiétude qui est... Enfin, la montée progressive des cas de grossesse indésirée. Et la commémoration des 30 ans de lutte contre le VIH-Sida à Nouna offre l'opportunité aux acteurs de la lutte d'évaluer le chemin parcouru, d'en tirer des leçons et d'envisager des actions fortes pour l'éradication totale de cette pandémie d'ici à 2030.